بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. Mes chers élèves, parents respectueux, مرحبا بكم جميعا في هذه الدورة المسجلة السنوية bien sûr. Je le dis bien, ce sont des cours de formation annuels. Avec moi, M. Hadji Sofiane, professeur d'enseignement secondaire à la Manassat d'Horoscope. Je vous explique, c'est simple, ce sont des cours. Six cours vont toucher bien sûr toutes les séquences de l'année scolaire ou bien du programme annuel. بكل بساطة ستكون على صيغة تجميع منقحة لكل برنامج الدراسي بكل تفاصيله يعني ما عليك إلا الاشتراك بإذن الله والاستفادة من الشروحات والتمارين c'est-à-dire tous les exercices proposés par moi-même, votre professeur. Comment ça se passe aussi? Vous allez regarder la vidéo. Cette vidéo va rester durant toute l'année, inchallah. Yani, kitchriha douka, تقدر تستفاد منها durant les vacances, durant toute l'année scolaire pour une révision. إذا شريتها في الوقت تاع الدراسة راح تمشي معاك, c'est-à-dire مع الفصل الدراسي. Très bien. Comment vous allez utiliser ces vidéos? Eh ben, vous allez prendre toujours votre carnet, bloc-notes, un stylo, c'est-à-dire pour le brouillon, pour écrire, pour faire vos exercices vous-même. Vous allez mettre la vidéo en pause, très bien, et puis vous essayez de trouver la bonne réponse. Vous faites l'exercice vous-même, et après, Inch'Allah, la suite. Vous lancez la vidéo, vous faites une auto-évaluation, vous faites une comparaison, vous comparez votre réponse par rapport à celle du professeur et vous faites l'auto-évaluation par la suite. Très bien. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi un autre bonus. C'est quoi? C'est que le fichier PDF, l'explication du professeur, bien sûr, toujours, tu peux télécharger, t'imprimer ou t'imprimer, bien sûr. Donc, حاجه تكون تسهل لك المهمه beaucoup plus. Alors, maintenant, je vous explique les projets. Le premier projet, concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques et techniques de notre époque. Objet d'étude, le discours objectivé. Quand je dis le discours objectivé, ça nous mène directement de parler du texte scientifique informatif. Produire un texte pour démontrer, prouver un fait. C'est le texte informatif, bien sûr, explicatif. Et puis, nous allons voir, ou bien nous avons vu le deuxième projet, produire une petite pièce théâtrale pour la présenter au lycée. Là, nous avons deux objets d'étude. Le discours théâtral qui concerne les filières lettres et langues. Et puis, deuxième objet d'étude, le plaidoyer et le réquisitoire, le discours argumentatif, ça concerne toutes les filières, celui-là, donc ça concerne toutes les filières. Pour le projet numéro 3, constituer un recueil de nouvelles pour représenter un monde futur. Très bien. Là, on va parler de quoi? On va parler, Inch'Allah, de deux objets d'étude, la nouvelle d'anticipation. Nous allons raconter un monde futur, monde futuriste. Et deuxième objet d'étude, nous allons voir le reportage touristique et le récit de voyage. Donc voilà tout le programme de l'année scolaire du deuxième AS. يعني تلاميذ سنة ثانية هذا هو البرنامج نتاعكم. ما عليكم إلا الاشتراك في هذا الدورة السنوية وبإذن الله الاستفادة مضمونة. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je vous dis, tenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, comme vous voyez, ça c'est l'explication et ça c'est la source, les paragraphes, le titre. Très très bien. Ouf l'examen qui m'a out, comme mes chers élèves. Donc là, le titre, j'ouvre la source. Allez, tu Odiche, Pierre Bordage, c'est l'auteur du texte Mehemnash. La production écrite. Nouvelle vie, c'est le titre de mon texte. Librairie d'Atalante 2004, ça c'est la source. Donc, nouvelle vie TM et Théo Deche, c'est quoi ça? Ça c'est le titre de mon texte. Allez, on va bien sûr souligner les mots-clés. Moi je vais lire le texte. J'ai enfin. Oui, indicateur de temps et indicateur de lieu.
le matin, le soir, l'après-midi, le matin, soir, la nuit, à minuit, donc après 2 mois, après 3 mois, dans une semaine. Hein, donc, quand même, ce sont des indicateurs temporels. Indicateur de lieu, tout ce qui réfère au lieu. Donc, ce sont des indicateurs de lieu. Allez, et on va maintenant vers la production écrite. Comme vous voyez, votre petit frère est un vrai amateur des histoires racontées. Vous avez décidé de lui relater cette aventure de Théo. Rédigez le compte-rendu objectif de ce texte. Je répète, vous avez un petit frère à la maison. Votre petit frère adore et aime beaucoup les histoires racontées. Alors, vous avez décidé de lui relater à cette aventure de Théo. يعني مغامرة تاع هذا البطل اللي اسمه تيو هي مغامرة بيان سور حكاها لنا حنا في القصة هذه انت واش راح دير تعاود تحكيها لطفل خوك بيان سور ريديجي لو كونت روندو اوبجيكتيف دو سو تيكست قرينا وعلى بالنا كيفاش نديرو لو كونت روندو اوبجيكتيف دون نوفيل دانتيسيباسيون اون فا كومونسي انصامبل بوركوا با الوغ تيو حاب تقرا اون ليني احصل على بطاقتك واقرا من دارك منصة دروسكم علم أمان امتياز